Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste vous dire d'où je vous parle. J'ai étudié la philosophie et les sciences politiques. Je suis maître de recherche au FNRS, j'enseigne à l'UC Louvain et je suis membre de l'Académie royale de Belgique au sein de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Ma passion sur le plan de la recherche concerne les usages de la mémoire dans les relations internationales, d'où le lien avec les analogies historiques. L'une des caractéristiques les plus marquantes de la crise liée à la pandémie du Covid-19 est son caractère inédit. Pour faire face à l'inédit, à l'inouï, nous nous référons à des événements qui sont présentés paradoxalement comme analogues. Les exemples abondent, que ce soit dans les médias ou dans nos conversations. La crise actuelle est sans cesse comparée à d'autres épidémies, qu'il s'agisse par exemple de la grande peste au XIVe siècle, comme sur la Dia, ou encore de la grippe espagnole au début du siècle passé. Les analogies ne concernent pas seulement les épidémies, puisque la crise actuelle est fréquemment comparée à des périodes de guerre, que ce soit la Première Guerre mondiale ou encore la Seconde Guerre mondiale. Enfin, au-delà des épidémies et des guerres, certaines analogies se réfèrent à d'autres types d'événements, tels que la crise économique de 1929 ou même la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Bref, on le voit, la liste des analogies historiques est presque infinie. Mais quelle est la portée? Quelles sont les limites de ce type d'analogie? Pour répondre à cette question, je vous invite à réfléchir aux principaux mécanismes liés au poids et aux usages du passé dans le débat public. Si vous visualisez une ligne du temps, avec le passé, le présent et le futur, deux dynamiques peuvent être observées. La première concerne le choix du passé. La flèche rouge sur le schéma part bien du présent vers le passé. Prenons un exemple concret, celui d'un chef d'État qui décide aujourd'hui de se référer à un événement historique précis parce que cet événement lui est utile au vœu de la politique qu'il veut mener. Cette première dynamique fait référence aux usages, aux instrumentalisations du passé. La seconde dynamique concerne non pas le choix du passé, mais le poids du passé. La flèche part cette fois du passé vers le présent. Il n'est plus question d'un président qui décide d'évoquer tel ou tel événement historique, mais du poids de l'histoire qui contraint ce dernier et la marge de manœuvre dont il dispose. Il ne s'agit plus des usages, des instrumentalisations du passé, mais de ses traces et de ses empreintes. Cette distinction fut mise en exergue par la sociologue française Marie-Claire Lavabre. Elle est particulièrement utile pour nous car le phénomène d'analogie historique est précisément à l'intersection de ces deux dimensions. C'est parce qu'un événement a un certain poids au sein de la population, qu'il peut donner lieu à une analogie efficace. Plus l'événement est associé à des expériences marquantes et à des émotions fortes, plus il est susceptible de frapper les esprits. Vous l'entendez, mon but ici n'est pas de déterminer si une analogie est bonne ou mauvaise, comme le feraient mes collègues historiens, mais de savoir si elle fonctionne, si elle trouve un écho au sein de la population. Dans cette perspective, il importe de garder à l'esprit les trois fonctions principales de toute analogie historique. 1. Faire face à l'inconnu. 2. Assigner des rôles. 3. Appeler à l'action. Faire face à l'inconnu, première fonction. Alors partons d'un exemple concret, encore une fois, avec celui de la formule choc utilisée récemment par Emmanuel Macron, « Nous sommes en guerre ». Le 16 mars 2020, le président français déclare «
Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, et qui progresse. La présentation de la pandémie comme une situation de guerre est une sorte de raccourci cognitif. Il permet de faire face à l'inconnu, il permet d'apprivoiser le présent. L'analogie réduit les incertitudes et les ambiguïtés des informations liées à l'actualité. Elle les organise de manière cohérente. Ce faisant, elle transforme un monde non familier en un monde intelligible. Première fonction donc. Deuxième fonction, assigner des rôles. Alors gardons le même exemple du 16 mars 2020, date à laquelle Emmanuel Macron insiste. Je le cite, « Nous sommes en guerre, nous gagnerons. Nous voilà tous solidaires, fraternels, unis, concitoyens d'un pays qui fait face. » Fin de citation. Alors on le voit, l'analogie historique permet de valoriser des gagnants. Le président français exprime sa fierté à l'égard d'un pays qui, je le cite, reste uni. L'analogie permet aussi de saluer des héros qui sont au front. Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron, le 13 avril dernier, va décrire les sauveurs qui sont en première ligne, parmi lesquels les fonctionnaires, personnels de santé, médecins, ambulanciers, secouristes, les militaires, les pharmaciens. Ils ont donné, je le cite, toute leur énergie pour sauver des vies, ils ont tenu. Une deuxième ligne est aussitôt décrite. Agriculteurs, enseignants, chauffeurs routiers, éboueurs, personnel de sécurité, de nettoyage, travailleurs sociaux. Tous ont permis à la vie de continuer, explique le président français. Et enfin, une troisième ligne, troisième type de rôles sociaux, si vous voulez, cette troisième ligne va comprendre l'ensemble des Français qui sont caractérisés, je cite, par leur civisme. Les rôles sont donc désignés. C'était la deuxième fonction. Troisième et dernière fonction, appeler à l'action. Alors l'analogie ne décrit pas seulement une réalité nouvelle. Elle ne fait pas que désigner des rôles, elle justifie aussi certaines décisions. Elle prescrit certaines actions. Et c'est bien le cas lorsque le président français appelle tous ses concitoyens à, je cite, « la mobilisation générale, l'union sacrée, cette union nationale qui a permis à la France, je cite toujours, de surmonter tant de crises par le passé ». C'est donc par le biais de l'union sacrée que le président français appelle tous ses concitoyens à respecter les décisions liées au confinement. Et voici quelques mots de conclusion déjà. L'analogie fournit des repères, c'est vrai, des repères précieux, mais c'est le plus souvent en simplifiant. En domptant le réel, elle dissimule l'inédit. En désignant des héros, elle stigmatise des adversaires. En soulignant les ressemblances, elle masque les différences. D'où l'importance d'une certaine prudence. Je voudrais terminer par une question de fond que je vous livre et que vous pouvez soulever à chacune des analogies qui vous sont présentées. Cette analogie favorise-t-elle la peur ou la lucidité? Alors ce questionnement, il me paraît fondamental pour échapper à la tyrannie du passé sur l'imagination. L'art de l'analogie est un exercice proche de l'équilibrisme. S'il apporte des réponses anciennes à de nouvelles questions, il échoue. S'il permet de garder les yeux ouverts, il éclaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse quelques repères si vous voulez aller un peu plus loin. Un des ouvrages qui est cité ici, celui de Robert Jervis, est déjà très ancien, mais il demeure précieux. À bientôt.